un éléphant d'Afrique, l'Oxodonta africana. Eh bien, on peut partir par les traits, c'est ainsi qu'on peut partir par des ronds. Donc, si nous voulons partir par des ronds, nous avons un premier rond, nous avons un second rond, et ceci est relié par ceci. C'est un éléphant qui est dessiné ainsi, à partir des ronds. C'est ainsi qu'on peut partir aussi des traits. Bon, maintenant, dès que nous avons ça, nous allons commencer par préciser les choses. Alors, ici, ce qui est délicat, c'est au feutre. Donc, on ne doit pas gommer. Et donc, dès que vous faites un signe là, un trait, vous continuez sur le trait en même temps. Je disais que l'éléphant, l'oreille a la forme du continent africain. Et l'éléphant d'Asie, et vous avez l'oreille aussi qui, de l'éléphant d'Asie qui a la forme du continent asiatique.